12 organisations nationales de producteurs, membres du réseau national des organisations de lutte contre la soudure et l'endettement, ont célébré hier à travers un panel la journée de l'alimentation. 113% de la population mondiale est pauvre. Alors, parmi ces 113%, les 80% sont des ruraux. Parmi ces 80% ruraux, les 90% sont des exploitations familiales. Au cours de ce panel, le bilan en quatre points de l'approche participative des Reynolds, soutenue par Action Cachem, a été fait. La calebasse de solidarité, la convention de lutte contre le gaspillage, les champs collectifs et le commerce équitable. Et nos actions œuvrent pour l'accès à la sécurité alimentaire et à la lutte contre l'endettement. Et donc nous n'avons pas voulu rester en rade par rapport aux organisations qui célèbrent ça. La rencontre a enregistré la participation de toutes les organisations en provenance des quatre régions du Sénégal. L'individu dans son village qui par exemple n'a pas de quoi à manger, il vient auprès de la calebasse faire un prêt sans intérêt, aller chercher de la nourriture, manger avec sa famille, continuer ses travaux et c'est réel. Le gaspillage lors des cérémonies familiales, là nos consommations de nos produits agricoles, et tout un tas de problèmes vraiment qui nous permettent vraiment d'avoir cette insécurité alimentaire. Le préfet du département de Mbour, qui a présidé la cérémonie, a rappelé quelques politiques ou mesures sociales de l'État pour la protection des populations. Les orientations de M. le Président de la République, qui est de remettre l'agriculture au cœur de l'économie de notre pays et d'en faire à nouveau le moteur principal de la croissance tout en garantissant la sécurité alimentaire. Ainsi, notre système de production agricole s'oriente définitivement vers un modèle de production qui assurera durablement nos besoins alimentaires et nutritionnels. Cette journée a été soutenue par Action Cachem, présente dans 14 pays au monde et 5 en Afrique pour aider les coûts sociaux faibles.